Une vidéo d'une trentaine de secondes diffusée par l'armée russe. On y voit une partie de l'équipage présumé du Moskva rencontrant le commandant en chef de la marine russe en Crimée. Le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire a sombré jeudi au large de l'Ukraine. La diffusion de la vidéo intervient au moment où nombre d'experts et d'internautes s'interrogent sur le sort de l'équipage du Moskva. Il serait 500 soldats. L'Ukraine affirme qu'il y aurait des morts. La Russie a assuré que l'équipage avait été évacué avant le naufrage, sans faire état de victimes. Des personnes se sont rassemblées vendredi à Sébastopol en Crimée en l'honneur du croiseur lance-missile dont le naufrage a diminué la capacité militaire russe en mer Noire. Les Ukrainiens affirment avoir frappé le navire avec des missiles. Selon Moscou, c'est un incendie qui a fait exploser des munitions à bord.